recyclerie. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue à la recyclerie. Merci. Écoutez, je vous amène ça. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Ben, écoutez. Alors, est-ce que je peux prendre votre nom, s'il vous plaît ? Oui, Marie-Claire. Ok. D'où venez-vous ? Saint-Antonin du Var. Allez, super. Donc, vous nous amenez des petites choses. Alors. Donc, un fer à repasser. Magnifique. Super. Alors, on pèse tout ici quand ça arrive. Donc, voilà, fer à repasser 1 kg. Donc ensuite, des livres, je vois qu'ils sont en pleine forme. Donc, oui. 4 kilos. Et enfin, qu'est-ce que vous avez là? Alors, j'ai des vêtements d'enfant, des vêtements adultes, mais vous pesez tout comme ça? Oui, on pèse tout. On mesure notre impact sur l'environnement. Ah d'accord. En fait, tous ces objets, c'est des objets qui auraient pu se retrouver à la déchetterie. Et d'accord. Voilà, plutôt que les emmener et les jeter à la poubelle, on va essayer de leur donner une deuxième vie. Ah bah voilà, bravo, donc, c'est formidable. Ouais. Alors, des vêtements, 4,3 kg. Donc, vêtements, hein, non troués ni tachés. Hein. Ah, je compte sur vous. Il n'y a pas de souci. Allez, très bien. Eh bien, parfait, 4 kg de vêtements, c'est nickel. Qu'est-ce que vous faites de tout ça après? Qu'est-ce que je fais de ça? Vous voulez que je vous montre? Ah, je veux bien, ça très m'intéresse bien. Beaucoup. Alors, venez, je vais vous montrer. Je vous suis. Suivez-moi. Voilà, donc là, nous sommes dans l'atelier de la recyclerie. Oui. On a l'impression que c'est un gros bazar, mais pas du tout. Je laisse Grégory, il va t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc alors ton magnifique fer à repasser, quand on le reçoit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans l'étagère à tester. Et on va faire des thèmes, et puis par exemple, juste avant la fête des pères, par exemple, on va prendre tous les fers à repasser et on va les tester. Et selon le diagnostic, soit il fonctionne à ce moment-là, on va le mettre dans les objets à nettoyer, ou on va par exemple retirer cette tache de marron, si on peut. Et s'il est en panne ou quelque chose ne va pas, on va le mettre dans les objets à réparer. Une autre personne un peu plus compétente va peut-être le regarder et faire ce qu'il pourra. Bon. Et après, alors, si jamais il ne marche pas. Alors, s'il ne marche pas, à ce moment-là, on a des containers spécifiques, on le met dedans, et à ce moment-là, c'est des autres étapes. D'accord, voilà. Très bien. Alors, quand les objets ne peuvent pas être vendus, on va être attentif à les mettre dans la bonne filière de recyclage. Pour ça, on a prévu plusieurs poubelles, donc les poubelles classiques, le bois, le textile, le papier, carton. On a quelques poubelles particulières, comme le métal, où là-dedans, on va refaire un tri, le cuivre, l'aluminium, etc., et la ferraille, les piles, évidemment. Et on a une poubelle particulière pour tout ce qui est électro-multimédia, qui derrière, en déchetterie, va être certainement encore démantelé et trié. Donc Grégory t'expliquait tout à l'heure que dans l'atelier, chaque chose avait sa place. Ouais. C'est la même chose pour les livres et le textile. Okay. Mais leur bonne place, c'est à l'étage. Donc viens, je vais te montrer. Alors, on y va. Allez. Ici, du coup, on trie les vêtements. Ensuite, les habits de bonne qualité, on les remet en vente ici, dans cette boutique. Donc, tout est à petit prix, afin que ça puisse être réutilisé au mieux. Félicitations. Merci beaucoup. Nous recevons énormément de livres. Et donc, on a un processus particulier, spécifique pour tout ce qui est livres, CD, DVD. Donc la première chose qu'on fait quand on reçoit des livres, c'est qu'on regarde dans quel état ils sont. Ils sont abîmés, on les écarte. Ensuite, on a des livres qui sont en super état. Et donc là, tous ces livres-là, on va les scanner parce qu'on a une convention avec Recyclivre. Donc c'est une association qui nous permet de déstocker les livres. Et sinon, ils nous en reprennent. Et donc on peut faire des... On fait des cartons, on leur envoie et ils nous proposent un service de boutique en ligne où ils vendent nos livres à notre place. Donc là, on vient de recevoir deux électroménagers que j'étais chercher chez un particulier. Donc on les ramène ici pour les tester, les nettoyer et les réparer. Lola, tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît ? Vas-y. Parfait. Tu prends une caisse ? Ouais. Merci.
donc ici, on fait de la valorisation de gros électroménagers. C'est une opération complexe qui demande de l'expertise et on a la chance d'avoir des bénévoles qui s'y connaissent. Alors avec le gros électroménager, il nous faut de la place et du temps. Donc ça, c'est un peu la spécificité. Donc là, par exemple, ce lave-linge, on l'a ici pour au moins 15 jours, hein, le temps de le réparer et puis de le tester correctement plusieurs fois. Tous les objets que nous proposons à la recyclerie sont nettoyés. C'est une volonté qu'on a depuis le début et à laquelle vraiment on tient. Et puis nos usagers semblent bien apprécier. Nous avons des partenariats avec des éco-organismes. Donc Valdélia, par exemple, c'est l'éco-organisme qui traite de la filière du mobilier des professionnels. Et donc, quand on va faire des collectes chez les professionnels, d'une part, ils nous soutiennent financièrement et puis ils peuvent également nous apporter une aide logistique. Ici, nous sommes dans l'atelier de valorisation jouets. Donc tous les jouets arrivent ici et comme pour n'importe quel autre objet qui arrive à la recyclerie, ils sont complètement nettoyés. Mais la chose un petit peu spécifique pour les jouets, c'est qu'on vérifie quand même leur complétude. Donc s'il manque une pièce, quelque chose, ici tout est répertorié. Donc il y a plein de pièces, par exemple là, hop, des dés, des pions, etc. Et donc on arrive à remettre en état et à recompléter des jeux qui pourraient être incomplets. Ah, c'est minutieux comme travail. Hein. Oui. Alors je sais que les pulls tu les comptes. Oui. Et là par contre tu vérifies. Oui. Ouais, on sait là, jamais. Je suis obligée. Il n'en est pas mis oui. deux. Ah ouais. Par contre jusqu'à 200-300 je les fais. Ouais. Mais après je les compte ouais, pas plus. J'ai trouvé mon bonheur. Donc après collecte et valorisation, les objets sont proposés à petit prix pour en faire profiter un maximum tous les budgets, mais surtout parce que tout ce qui rentre doit sortir pour proposer un renouvellement permanent. Très bien, très bien. En raison de la grande quantité de déchets que nous recevons et avec toutes les procédures que nous mettons en place, nous sommes une véritable petite entreprise. Mais nous veillons à toujours garder une bonne ambiance et travailler avec bienveillance avec tout le monde.